Il y a une trentaine d'années de ça, j'avais sorti depuis quelques mois un disque qui s'appelait Les Jours Meilleurs dans l'indifférence générale. Mais le bide, comme vous ne pouvez pas imaginer. Et j'étais un peu triste. Alors je me baladais sur les lieux de mon enfance, à Saint-Lazare, du côté de la gare Saint-Lazare, pas loin du lycée Condorcet, essayer de respirer un peu l'atmosphère de l'adolescence, quand un gamin est venu m'aborder. Il avait des cheveux frisés qui descendaient jusque-là. Il m'a dit « Vous êtes Maxime Le Forestier ?» Je dis « Oui ». Ça faisait des années que personne ne me reconnaissait plus dans la rue puisque je m'étais rasé la barbe. Et je peux vous inviter à boire un coup. Je dis ben, « Comment donc ?» Et on y va. Et il me dit « Voilà, je suis chanteur, j'ai un groupe, ça s'appelle Les Charts. Et on voudrait enregistrer Les Jours Meilleurs. » Là, j'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux parce qu'un gamin qui me dise « À ce moment-là, j'aime bien vos chansons », c'était du miel pur. Eh bien, aujourd'hui, je suis heureux de le remercier en l'invitant à chanter avec moi cette chanson, Les Jours Meilleurs, Calogero. À courir du Pacifique à l'Inde, on voulait quoi? On voyait partout des sardines alignées dans l'huile de moteur. Fallait donc qu'on cause à nos jeans des fils de couleurs. On était nés sur des ruines. The times were changing. On pouvait planter des fleurs. On voulait juste des jours meilleurs. Juste des jours meilleurs. J'entends les mélodies grises et toutes ces voix qui disent ils viendront plus. J'entends les fontaines de pleurs. J'entends gémir les cœurs des si j'avais pu, des si j'avais eu moins peur. Ça fait la différence entre ancien adolescent et futur vieillard. J'entends grossir les flingues et fumer les mémoires pendant qu'une bande de dingues aux énergies ne peuvent arrêter l'histoire. On voyait partout des sardines alignées dans l'huile de moteur. Fallait donc qu'on couse à nos jeans des fils de couleurs. On était nés sur des ruines. The times were changing. On pouvait planter des fleurs. On voulait juste des jours meilleurs. Juste des jours meilleurs. J'en ai trouvé qui s'amènent. On s'envole quand même et tu t'en vas. Tiré par 36 planeurs. J'ai trouvé qui rôde au fond des nuits chaudes, au fond d'un lit du tropique à l'équateur.
l'impression de voir une cible émerger du brouillard, d'avoir pensé l'impossible et dans un soupir du temps l'apercevoir. Si je vois encore des sardines alignées dans l'huile de moteur, il me reste un couplet d'Imagine qui m'emmène ailleurs. Juste des jours meilleurs. Calogero. Merci Maxime. C'était la chanson préférée de mes collègues chanteurs. Que je demande à Goldman, à Cabrel, à Callot, quelle chanson tu veux chanter avec moi, c'est les jours meilleurs, toujours. Ouais. Ouais. Callot, c'est un mec que j'adore. Ça fait longtemps qu'on se fréquente. Je l'ai vu dans ses hauts, dans ses bas. J'ai beaucoup vu au Resto du Cœur aussi. Enfin, c'est un type qui fait partie de la, il fait partie de la bande. Faire le crescendo qu'on avait fait ici, c'était quand même genre de prof de chant. Ça va pour vous? C'est nickel. Okay, ah, ça, ça va super. Mais toujours avec cette voix aiguë. Il monte très très haut en pleine voix. Et puis une mentalité de bassiste, quoi. Il assure, il est le premier à faire la note, quoi. Ça, c'est marrant, je me mets en gaucher quand je pense à lui. Callot.